dans le monde, il faut commencer par la transmettre à nos enfants. L'éducation est fondamentale si nous voulons changer de société. Détruire. Et qu'on trouve pas d'argent pour la vie. Si nous voulons la paix dans le monde, il faut commencer par la transmettre à nos enfants. L'éducation est fondamentale si nous voulons changer de société. Déjà, ça aiderait beaucoup. C'est en cela où l'humanité, quand même, il y a quelque chose d'impossible à admettre. Je saigne de voir que cette terre qui nous nourrit la détruit tous les jours. Transmettre à nos enfants. Il faut arrêter ce processus par une éducation des enfants. Et puis plutôt que de dominer toujours le premier, le meilleur, etc., montrer qu'il y a une coopération possible. Ce miracle de la vie, tout ça, moi, ça m'enchante. L'éducation est fondamentale si nous voulons changer de société. C'est l'apaisement. Quand on a le cœur pour le faire. Ça. Si nous voulons la paix dans le monde, il faut commencer par la transmettre à nos enfants. Donc l'éducation est fondamentale si nous voulons changer de société. Si nous voulons la paix dans le monde, il faut commencer par la transmettre à nos enfants. Donc l'éducation est fondamentale si nous voulons changer de société. Mais à la condition que l'éducateur soit lui-même transformé. Je trouve que qu'il faut quand même qu'à un moment on se libère de cette pesanteur, de la matière et du fric, quoi. Le fric, il en faut, bien sûr, mais fait. Bien que ma vie est plus importante qu'un salaire. Parce que je ne veux pas passer ma vie enfermée à ne pas voir la lumière, le soleil, entendre les oiseaux, avoir toutes ces richesses que la nature nous donne gratuitement. Eh bien, renoncer à ça, non ? Chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, mais
changer de société. Si nous voulons la paix dans le monde, il faut commencer par la transmettre à nos enfants. La transmettre à nos enfants.